Chers compatriotes de la diaspora, l'année 2022 tire à sa fin. Fidèle à la tradition, c'est l'occasion pour le collectif des forces vives de la diaspora, par ma voix, de vous présenter à tous et à toutes, ainsi qu'à vos familles respectives, nos voeux les meilleurs pour l'année 2023 qui commence. Nos voeux vont d'abord à ceux des nôtres qui sont au pays, au premier rang desquels nous souhaitons une autre année de succès et de réussite dans l'exercice de son sacerdoce national. Bonne et heureuse année 2023 au premier citoyen congolais. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Madame, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement. Que dialogue, paix et le vivre ensemble demeurent au centre de vos actions. À la diaspora congolaise disséminée à travers le monde entier, nos voeux les meilleurs pour la nouvelle année 2023. Je vous souhaite une année qui marque le retour d'une diaspora réconciliée avec elle-même par de nouvelles réussites collectives. En votre nom, je souhaite que notre engagement social soit notre force pour accomplir les challenges qui nous attendent. Je ne saurais terminer mon propos sans oublier l'implication manifeste et bienfaisante de deux figures de proue qui ont marqué l'actualité dans la diaspora en cette fin d'année 2022. L'émissaire chef de l'État, le conseiller spécial, secrétaire général du Conseil national de sécurité, l'amiral Jean-Dominique Okemba. Son Excellence Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo à Paris. À ces deux personnalités, la diaspora congolaise, par ma voix, vous exprime sa profonde gratitude. Nous vous sommes très reconnaissants pour tout votre travail. Au nom du collectif des forces vives de la diaspora, je remercie pour tout ce que vous faites. Vos efforts ne passent pas inaperçus. Vive la République, vive le Congo en cette nouvelle année 2023 et vœux les meilleurs à tous. Président des forces vives de la diaspora, Rostel Bakwa, le 31 décembre 2022 à Paris.